We all live in a digital world. We all need it to be open and safe. We all want to trust. And to be trusted. We all despise control. And desire freedom. We are all united. Good afternoon. Can you hear me? Bonjour. Suis-je bien entendu? Oui. Je m'excuse pour ce petit dérapage. Nous avons dû coordonner notre équipe technique avec l'accessibilité des intervenants pendant pour ce panel. Je vous remercie de m'avoir invité à modérer ce panel. Je m'appelle Paul Mitchell et je serai l'hôte de cette session. Je vais faire une brève introduction et là, je demanderai à tous nos intervenants de se présenter brièvement. J'ai préparé aussi quelques questions que je poserai à nos panélistes. Et j'espère qu'à la fin, on aura assez de temps pour permettre une interaction entre les panélistes, des interactions entre les panélistes. Bien, pour commencer, je voulais dire que la transformation numérique est en cours partout dans le monde. Et chaque secteur de notre société reste sous l'influence de cette nécessité de numérisation. Évidemment, nous avons un énorme potentiel lié à cette numérisation, mais en même temps, nous devons bâtir la conscience de nouvelles capacités en matière de numérisation et de transformation numérique et faire face aux challenges qui sont sur notre route pour créer cet espace ouvert et inclusif. J'espère aujourd'hui que nos panélistes nous parleront un peu de la société sociale, de la corporate social responsibility, de la responsabilité sociale des entreprises dans ce contexte, et qu'ils parleront des enjeux majeurs qui sont devant le monde entier. Je vais commencer par une définition de base qui dit que la responsabilité sociale des sociétés, le CSR, comme on dit, Corporate Social Responsibility, a pour objectif de promouvoir une bonne gestion des technologies numériques. Mais je voudrais qu'on réfléchisse sur ce que la RSE signifie pour chacun de nos panélistes. Quels enjeux se posent devant nous dans ce contexte et quelles opportunités sont liées à cette transformation numérique? Est-il possible que de réguler les technologies numériques sans ralentir leur développement et sans freiner l'innovation? Et si cela est possible, de quelle manière ces réglementations peuvent être mises en œuvre? J'aimerais que chaque panéliste s'exprime pendant 3 minutes de manière à permettre à tout le monde, à tous, de prendre la parole. Et pour terminer, je demanderai aux panélistes de faire des commentaires divers qui résumeraient la synthèse de notre table ronde. Avant de commencer, je demanderai que les panélistes se présentent. Bonjour. Je suis représentant de l'Union européenne d'émetteurs. Nous représentons de nombreuses plateformes d'émission de 57 pays, et j'ai l'expérience de travail dans les sociétés médiatiques privées et publiques. Yann, bonjour. Je vous remercie pour cette introduction. Je m'appelle Yann Kleissen. Je suis directeur de la direction pour la société
d'information au Conseil d'Europe. C'est donc une organisation qui regroupe 47 États européens plus 5 États qui ont un statut d'observateur. Et mes obligations, c'est la gestion de l'Internet, protection des données, l'intelligence artificielle et la cybercriminalité. Ce ne sont que quelques sujets dont je m'occupe. Merci. Et maintenant, j'ai encore sur mon écran quelques noms, mais je ne suis pas sûr que nos panélistes soient avec nous en ligne ou de manière physique. Si oui, veuillez prendre la parole. Bonjour. Lucio Adrián Ruiz. Je suis secrétaire pour la communication du Vatican, du Saint-Siège. Je m'occupe de la communication du Saint-Père avec les médias du monde entier. Et je viens d'arriver de Rome. Merci. Y a-t-il encore quelqu'un d'autre avec nous? Oui, bonjour. Nina Baratang, directrice générale de l'organisation Girl Hype, donc les femmes qui écrivent des codes. Notre organisation promeut de nouvelles compétences numériques. Nous essayons d'éliminer le gouffre numérique qui est toujours présent et qui est signe de notre temps. Merci beaucoup. Donc, je passerai directement aux questions. Commençons notre discussion. Nous commençons peut-être par Yann. Si vous pouvez me répondre à la question, ce que veut dire la responsabilité sociale des entreprises dans l'espace numérique? Merci beaucoup. J'essaierai de m'en tenir à 3 minutes. J'aimerais souligner que la transformation numérique peut être une source incroyable de potentiel pour le futur. Elle peut nous pousser dans une très bonne direction, la direction d'un monde qui est égal, juste, sûr. Mais en même temps, la transformation numérique est liée avec des risques. Dans le cadre de notre organisation, dans le cadre du Conseil d'Europe, nous promouvons les droits de l'homme et l'état de loi. En ce qui concerne la protection de données, la transformation numérique est liée avec beaucoup de possibilités en matière d'amélioration, de transformation de données, mais aussi porte avec elle des dangers liés à la manipulation des données, l'abus des données, la violation du droit à la vie privée. La cybercriminalité est un sujet sur lequel nous nous penchons depuis 20 ans. Souvenons-nous de nombreuses formes d'abus en ligne, dont les abus envers les enfants, la pornographie infantile, pédophile et autres formes d'abus, telles que le recrutement d'enfants pour des activités illégales, falsification de préparation médicale, etc. Nous sommes une organisation qui définit la loi en cette manière, donc nous essayons de faire face à ces challenges par l'adoption de standards communs et de normes contraignantes, normes juridiques cette fois, et de traités qui transposés dans les lois nationales et sont censés veiller à la sécurité des utilisateurs. Je pense que c'est très important de le souligner pendant le panel aujourd'hui. Nous avons besoin évidemment de coopération du côté du secteur privé. La responsabilité sociale des entreprises est un symptôme qui dit que le secteur privé est prêt à prendre la responsabilité de la création, pour la création d'un espace où on respecte le droit de l'homme, l'état de droit
Et je pense que la RSE est un symptôme d'une telle aptitude. Ces traités dont je parle concernent aussi de manière directe le secteur privé. Je veux dire ici, par exemple, la convention sur le sujet des abus sexuels envers les enfants et beaucoup d'autres. Nous voulons impliquer le secteur privé. C'est pour cela que le Conseil d'Europe, il y a quelques ans déjà, a créé un partenariat. Je pense que c'était il y a quelque chose comme il y a 5 ans. Il s'agit d'un partenariat qui comprend 28 sociétés leaders, des sociétés de télécom du monde entier. Nous serons heureux de reprendre la parole plus tard en parlant des choses beaucoup plus concrètes. Merci beaucoup. Et puis, nous allons donc passer à Mia Bharathan. Pour avoir votre regard, Madame Bharathan, sur le sujet. Moi, il y a une chose à laquelle je crois profondément, à savoir que les OED de l'ONU se concentrent sur le respect des droits de l'homme, certes, mais aussi sur l'environnement. Et il y a 17 ODD, 17 objectifs qui comprennent l'éradication de la pauvreté, la promotion de la santé, les droits des femmes, l'atténuation des effets du changement climatique et de nombreux autres. C'est donc une excellente base de travail. Et c'est un trésor qui repart, parce que ça regorge de bonnes lignes directrices pour l'avenir. Nous essayons de transformer le monde. Mais il ne suffit pas de faire ce que nous faisons pour transformer les individus qui sont ou peuvent être des moteurs de changement. Il nous faut donc nous concentrer sur la construction de nouvelles possibilités, de nouvelles aptitudes pour pouvoir nous référer à ces 17 objectifs de l'Organisation des Nations Unies. Je pense que en atteignant ces objectifs, nous pourrons effectivement assurer le bien-être de l'humanité. Le développement durable et le développement des techniques numériques, ce sont des choses qui vont ensemble, qui s'alimentent réciproquement. Nous faisons encore face à des discriminations sur fond racial ou à des préjugés basés sur d'autres différences. Et un changement de comportement, un changement des comportements humains est profondément souhaitable. Il nous faut aller en ce sens. Et nous redoublons d'efforts en ce sens. Moi, je viens d'Afrique. C'est un continent qui a faim et qui a faim de nouvelles technologies, entre autres. Un continent qui a faim de solutions inclusives. Et on parle souvent d'entreprises qui sont... On dit souvent qu'il y a des entreprises qui sont plus grandes et plus puissantes que certains pays. On dit qu'il y a des entreprises dont les budgets dépassent les budgets de certains pays africains. Eh bien, ça n'est pas faux. Et c'est pourquoi nous demandons à ce que les nouvelles techniques, les nouvelles technologies et les grandes entreprises fassent de leur mieux pour que nous puissions tous fonctionner, vivre, évoluer dans un contexte sûr. Nous avons besoin de sécurité, nous avons besoin de confiance en l'avenir et la technique ne devrait pas être source d'angoisse. Bien au contraire, la technique devrait être porteuse d'espoir et porter la promesse de lendemain meilleur. En tant que femme noire, je dirais que l'élément le plus important de mon programme ne pouvait être et ne peut être que la lutte contre l'exclusion numérique
et la création de la construction de passerelles allant par-dessus les crevasses, les gouffres qui existent encore dans la société. À titre plus personnel, je pense que ma mission la plus importante à ce jour est de négocier avec les grandes entreprises, les grandes high-tech companies, les grandes entreprises technologiques, parce que, en posant les choses claires, hein, nous sommes des clients et donc nous sommes des partenaires. Donc nous devrions co-participer, participer tout simplement, avec les entreprises, aux mesures qui sont prises par les plus grandes d'entre elles. Si tel ne devait pas être le cas, alors nous ne ferions plus partie de la chaîne d'approvisionnement, de la chaîne d'achat. Et n'oublions pas que le monde dans lequel nous vivons est un monde où on parle de plus en plus souvent de justice. Les gens, bien souvent, prennent les choses en main. Et les cas d'injustice criante ne sont de moins en moins tolérés et sont appelés à ne plus l'être du tout. À l'avenir, les jeunes, vous savez, placent la barre de plus en plus haut. Et ça, c'est les politiciens le savent. Donc ça fait évoluer les choses. Les politiciens, mais aussi les chefs d'entreprise, les grands chefs d'entreprise ou les chefs de grandes entreprises, les chefs de ces entreprises dont les implications sont les plus importantes pour la vie de la société le savent. Donc, asseyons-nous tous à table, ensemble, et posons les choses. Disons clairement que la gestion des techniques numériques, un sommet tel que le sommet numérique de l'ONU et d'autres et autres grandes conférences internationales peuvent jouer un rôle particulièrement important dans ce qui va sculpter le monde de demain, notamment en matière d'outils numériques. La technique, vous savez, je pense, joue un rôle et a une influence absolument incomparable sur notre quotidien. Ces derniers mois, je trouve qu'on a de moins en moins parlé de faire du profit, de faire de la croissance, de créer de la croissance, de plus en plus de l'importance de prendre des décisions commerciales, des décisions allant vers l'inclusivité, la transparence, et finalement le bien-être général. Je pense que c'est précisément l'approche qui pourrait devenir s'avérer efficace à l'avenir. Merci beaucoup. Merci à vous. Monseigneur Luis, maintenant, s'il vous plaît. Merci beaucoup. La RSE, la responsabilité sociale des entreprises, c'est un sujet fleuve, un sujet important. Je ne me souviens plus qui, mais quelqu'un a dit un jour que chaque action se devait d'entraîner une réaction proportionnée. C'était Newton, en fait. Je me souviens qui c'était. C'est comme ça dans la vie. Chaque action entraîne des réactions, proportionnées en général, positives ou négatives. Cela dépend du contexte, cela dépend de l'action. Et c'est ce qu'il faut souligner, parce que cela constitue la base de la RSE. Et telle est la règle que nous devons appliquer dans tous les contextes, dans toutes les conditions, dans tous les cas de figure. Une règle à appliquer tant lorsque nous avons affaire à des individus que lorsque nous avons affaire à des sociétés. Donc prenons en considération toujours les implications, les conséquences positives ou négatives de nos actions. Dans le cas contraire, nous ne pouvons pas parler de bonnes actions. Comment puis-je parler de bonnes actions si je n'ai pas pris en considération toutes les conséquences que peut avoir mon action? Vous savez, quand on dit qu'il y a une partie de l'humanité qui va être déplacée, replacée, un peu perdue, si on perd ça de vue, on n'ira nulle part. Et souvenons-nous d'une chose, c'est que beaucoup des changements auxquels nous assistons ont ce type de conséquences. Donc prenons en considération, bien sûr, les possibilités et les obstacles et les défis. Les opportunités, il y en a beaucoup. Ces possibilités que l'ère numérique apporte avec elle
est lié à toutes les promesses portées par les nouvelles techniques, ces nouvelles techniques qui apparaissent sur le marché. N'oublions pas que la transformation numérique, c'est une transformation qui va amener un immense potentiel. Et tout cela est un grand et beau rêve. Beau, certes, mais n'oublions pas que toutes ces opportunités sont porteuses de défis. Ne soyons pas aveugles quant à notre confiance, cette confiance que nous plaçons dans les possibilités de la révolution numérique. N'oublions pas les possibles revers de la médaille. N'oublions pas que certains d'entre nous se sentiront peut-être un peu perdus, ou le seront vraiment, ou seront laissés sur le bord de la route, sur le carreau. N'oublions pas notre devoir de solidarité. N'oublions pas que nous pouvons ensemble faire beaucoup. N'oublions pas que nos rêves se doivent d'être ambitieux. N'oublions pas de rêver, mais n'oublions pas que chaque action, chaque geste entraîne des conséquences négatives et ou positives. Aujourd'hui, il y a beaucoup de souffrance de par le monde. Nous voyons ici et là la présence de la mort. Nombreux sont ceux en ce monde qui n'ont pas accès à l'éducation. Nombreux sont ceux qui ont faim. Nombreux sont ceux qui vivent trop loin d'un médecin, qui vivent trop long, dont les droits de propriété sont bafoués, dont la sécurité physique parfois est bafouée. Nombreux sont ceux qui ne jouissent pas d'un accès aux outils techniques tels que le nôtre. Donc la responsabilité sociale, cela veut dire tout cela. Elle est intime de prendre sur soi, de se rendre responsable de toutes les conséquences, fussent-elles positives ou négatives, des actes qui sont les nôtres. Nous entendons soutenir les conséquences positives et atténuer ou lutter contre les conséquences négatives. Conséquences de toutes les actions individuelles ou collectives qui sont prises aujourd'hui en ce monde qui est notre maison commune. Merci, merci beaucoup, Monseigneur. J'ai aimé ces mots. J'aime quand vous parlez de rêve ambitieux et j'aime quand vous parlez de responsabilité, car il n'y a pas de liberté sans responsabilité. Je voudrais que nous passions à la question suivante qui fera avancer notre discussion à n'en pas douter. Avez-vous l'impression qu'il est possible que l'on réglemente l'outil numérique sans ralentir son développement, sans ralentir le rythme de l'innovation, le cas échéant? De quelle manière? Comment aller régler des problèmes de responsable de RSE, entre autres? Lançons la discussion dans le même ordre, je vous propose. On commence par moi alors, c'est bien cela? Oui, vous avez tout compris. Très bien. Noël Curran, donc. Eh bien, oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Vous savez, moi, je suis dans le secteur des médias, dans le secteur de la diffusion. Et c'est un secteur qui est porteur d'innovation. Je pense que c'est un des secteurs les plus innovants. Ça a été le cas, en tout cas, ces 20 ou quelques dernières années. Bien entendu, nous réagissons aux tendances. Nous nous adaptons, nous suivons les tendances, nous réagissons rapidement, mais toujours dans le cadre de la réglementation, toujours dans le cadre de la loi. Il y a des lois, il y a des outils juridiques qui sont mis en application dans notre secteur. Donc, je peux vous dire qu'elles existent et je peux vous dire que c'est faisable. Nous en sommes conscients, nous ne voulons pas, pour tout l'or du monde, ralentir l'innovation dans le secteur numérique. Tel n'est pas le but, la réglementation, elle est nécessaire. Il ne faut pas qu'elle devienne un boulet, évidemment. Parce que là encore, les implications seraient... il y aurait des implications négatives. Pour le coup, là, les réglementations que nous mettons en vigueur doivent avoir des conséquences positives. Et les réglementations sont nécessaires. Mais ces réglementations doivent être dirigées sur les valeurs fondamentales. La transparence, la confiance, la confidentialité, la lumière à laquelle... Pour ce qui est de l'accès aux données, il est important de répondre à la question suivante. Qui met au point l'algorithme
qui va présenter telle ou telle information à un usager au lieu de telle ou telle autre information. Ça, c'est important. Quel est le processus de prise de décision automatique? Quel est le mode de fonctionnement de l'algorithme qui va vous soumettre une information et pas une autre? Il y a tout un spectre de sujets et d'aspects à prendre en considération. Beaucoup de choses sont faites en la matière. Je vois que le débat se fait. L'optique du débat, sans doute, il me semble en tout cas, a-t-elle évolué ces dernières années? Il me semble qu'elle est plus, on parle de plus en plus de responsabilité. On met l'accent sur la responsabilité des acteurs du marché. Tous ont les yeux tournés vers la désinformation. C'est quelque chose qui est souligné de part et d'autre. C'est un ennemi commun. Nous voyons aussi, nous sommes témoins de ce phénomène pour ce qui est des lois sur le marketing. On a la loi sur les services numériques, la loi sur le marketing numérique. On voit ça, c'est la manière dont ça s'incarne au niveau juridique, au niveau européen et même au niveau des entreprises. Diverses sont les organisations qui ont décidé maintenant de collaborer. On a une véritable coopération entre les plus grandes sociétés d'ailleurs technologiques. Pour ce qui est des réglementations éventuelles et de la manière de l'aspect que devraient prendre ces réglementations, à savoir est-ce qu'on devrait se baser plutôt sur quelque chose de contraignant, sur des choses plutôt volontaires. Le but de toute façon est de savoir de faire en sorte que les usagers voient leur confidentialité protégée et leur liberté d'expression respectée et leur source. Et que les usagers sachent que leurs sources d'informations sont le plus fiables possible. Donc je pense que pour aller dans ce sens, un certain degré de réglementation est souhaitable et nécessaire. La question étant de savoir quels sont les types de réglementation dont on a besoin. Mais attention, il ne faut pas effectivement que la réglementation soit un boulet qui viendrait ralentir le rythme de l'innovation. Mais je ne pense pas que tel sera le cas. Je suis plutôt optimiste en la matière. Je ne t'entends pas. Je m'excuse, j'ai des problèmes avec le micro là. Donc je vous remercie pour cette contribution à la discussion. Maintenant je m'adresse à Mia. Pourrais-tu parler de la réglementation? Je suis d'accord avec mon prédécesseur. Nous ne pouvons pas nous permettre d'étouffer la créativité et l'innovation. Je pense que les régulations et la réglementation est nécessaire pour des raisons éthiques, ça va de soi. La technologie nous permet de résoudre des problèmes brûlants de l'humanité. Ces problèmes peuvent être résolus grâce à l'innovation, grâce à la créativité, grâce à la possibilité de vérification et de tester les différents algorithmes et solutions. Mais nous devons faire en sorte à ce que nos organes d'administration, nos gouvernements nous assurent une architecture et l'infrastructure qui nous permet qui nous donne un accès approprié aux données, de manière à ce que nous puissions mener des études, tester de nouvelles technologies, mais assurer aux gens, avant ça, assurer l'accès à Internet, de manière à ce que les gens puissent profiter de ces technologies à une étape précoce déjà. À présent, nous avons certains outils, mais ils ne sont pas utilisés de manière suffisamment tôt. Les technologies nous permettent par encore de vivre plus longtemps. Nous avons maintenant affaire à une pandémie. Il y a des études qui sont menées. Et ce qui en découle, c'est que si la réglementation est trop forte, nous perdons le sens de ce que nous faisons, le sens et la signification de ces méthodes de technologie que nous mettons en œuvre. Alors, quel est l'enjeu maintenant? L'enjeu est
que nous avons dans le monde des divergences énormes entre ceux qui sont riches et ceux qui sont pauvres. Et nous avons d'un côté les États riches et de l'autre côté des pays très pauvres. Peut-être que c'est une question qu'on ne saura pas résoudre par des réglementations, mais plutôt par des interventions concrètes, par des actions concrètes grâce auxquelles nous pourrons réparer cette situation. Ces actions doivent reposer sur des recherches menées à des niveaux différents. De manière à aller en direction de l'amélioration de la qualité de la vie de nos tous. Non, l'éthique est très importante. Toute la société internationale devrait avoir des standards cohérents pour l'éthique. Je tiens à souligner toutefois que, évidemment, les sociétés qui créent la technologie font ce qu'elles font, ce qu'elles doivent faire, atteignent leurs objectifs. Mais nous devons pondérer ces questions. La réglementation est nécessaire. La réglementation change dans le temps pour que nos standards et nos normes soient cohérents avec la réalité qui nous entoure. Car la technologie et la vie humaine sont reliées pour de bon. Nous faire en sorte à ce que la technologie améliore le bien-être de l'humanité. Merci beaucoup. Grand merci. J'aimerais me référer à la question de l'autorégulation. C'est souvent un slogan qui apparaît comme alternative à la réglementation. En ce qui concerne la sphère de nouvelles technologies, cette autorégulation peut être un élément complémentaire, mais en soi, elle ne suffit pas. Je vais vous donner l'exemple de la crise présente, la pandémie. Puisque nous voyons ici en ligne, n'est-ce pas? D'un côté, c'est possible grâce à la technologie, donc c'est quelque chose de positif. Mais ça montre aussi certaines limitations qui sont liées à la situation. Il est clair que l'intelligence artificielle a beaucoup de conséquences très positives. Par exemple, elle accélère l'élaboration de vaccins. Et je pense que les processus d'apprentissage des machines et les possibilités d'analyse rapide de données accélèrent ce processus. Et grâce à cela, nous avons réussi à mettre en place si rapidement les nouveaux vaccins. C'est arrivé beaucoup plus vite que si ça avait été possible il y a 10 ans. En même temps, en ce qui concerne la pandémie, bien sûr, l'intelligence artificielle ici continue à jouer un rôle en ce qui concerne la polarisation de nos sociétés. Car, par exemple, certaines informations sont données de manière concrète sur des réseaux sociaux. Il y a des algorithmes qui mènent à la création de bulles informatives dans lesquelles nous sommes renfermés. Donc nous devions tendre à un débat plus démocratique avec l'implication de différentes parties intéressées. La question est la relation entre les réglementations et les innovations. Je pense que ce sont deux éléments qui sont liés. Revenons à l'industrie pharmacologique. C'est un des domaines qui existe ou dans lequel la réglementation est de plus grande rigueur dans le monde entier. Mais si on réfère à l'histoire des vaccins, ça nous a montré combien ce secteur est innovant. Et la réglementation très rigoureuse n'ont pas étouffé la créativité. Au contraire, elles nous ont permis de faire face à ce grand problème. Donc l'auto-réglementation et les standards éthiques peuvent être très importants et utiles. Elles peuvent être une source d'inspiration quelque part, mais ne donnent pas de droits aux utilisateurs, aux usagers. Donc ne créent pas d'engagement juridique envers les sociétés. Et ne résoutent pas non plus le problème s'il y a quelque chose qui ne va pas comme nous le voulons. Donc la réglementation est importante.
donc à la création de ces réglementations. Il vient de mettre en place une certaine coopération entre les gouvernements et les représentants du secteur pharmaceutique. Ceci peut améliorer la qualité de ce processus, mais ne constitue pas une garantie de qualité ou la garantie de trouver une solution. Ce qui est important aussi, c'est que ces réglementations assurent des conditions égales pour tous les participants du marché. Des réglementations locales peuvent être plus strictes ici qu'ailleurs. Par contre, le mieux, c'est quand ça vient d'en haut et c'est égal pour tout le monde, surtout si nous avons affaire à des réglementations internationales. On crée un système très juste qui permet à tous les acteurs de fonctionner sur le même principe. En ce qui concerne l'intelligence artificielle, ici, le Conseil d'Europe a terminé récemment le travail sur le premier traité mondial concernant l'intelligence artificielle, et les négociations au sujet de ce document vont commencer au début de l'année prochaine. Pour l'instant, on mène les derniers travaux dans lesquels sont engagés, sont impliqués les pays membres, mais aussi les représentants du secteur et de la société civile. Donc nous avons cette approche multi-côté, comme ici au Forum IGF. Donc, nous espérons que ce processus sera transparent et mènera à des solutions et que les utilisateurs seront traités comme, non pas des objets, mais comme des sujets qui ont des droits dans ce processus. Et merci beaucoup. C'est une introduction excellente à l'étape suivante de notre discussion au sujet des relations entre le développement du business, comment les sociétés peuvent prendre des décisions, des entreprises peuvent prendre des décisions au sujet de cette autorégulation, autoréglementation, et comment nous pouvons proposer des standards éthiques qui seraient cohérents au niveau mondial. Nous savons à présent que dans l'écosystème dans lequel nous fonctionnons, nous observons beaucoup de différences. Je resterai donc ouvert aux voix qui viennent des autres panélistes, des autres intervenants. Moi, si vous permettez brièvement un petit commentaire, j'aimerais revenir à une chose qui a été dite avant par Mia. C'est-à-dire qu'il a été question de... Il a été dit que les entreprises commencent à se rendre compte maintenant des bénéfices venant de la mise en œuvre de politiques que nous allons appeler comme la RSE. Nous savons que ce sont des politiques qui sont avant tout cohérentes avec nos valeurs. Nous savons qu'elles sont de plus en plus importantes pour les jeunes utilisateurs. Et je suis d'accord avec ce qu'a dit Mia, à savoir que le secteur des médias, toujours encore, se concentre trop sur les usagers blancs de sexe masculin. Je pense que il y a une conscience croissante du fait que nous devons prendre des décisions de business autres d'une manière différente. Et il sera important de voir comment les sociétés commenceront à prendre des décisions concernant ces auto-réglementations, auto-régulations. Je suis donc tout à fait d'accord avec Yann, c'est-à-dire l'auto-régulation a un rôle à jouer dans certains domaines d'activité médiatique. Mais mon expérience est que dans les entreprises technologiques, l'autorégulation n'est pas suffisante. Ça ne marche pas, tout simplement. J'ai participé dans un groupe d'experts qui s'occupait de la désinformation. Et nous devons être conscients du fait que les grandes organisations doivent être forcées par la réglementation qui vient d'en haut. Donc forcé à signer les mêmes objectifs. Donc il y a des domaines, je pense, où il est très important de s'entendre. S'entendre en matière de
d'objectifs de développement durable, de promotion de la diversité et de l'augmentation de l'espace cybernétique de manière la plus efficace possible. Bon, merci beaucoup. Monseigneur Ruiz, voudriez-vous commenter ce dont nous parlons? Oui, j'aimerais peut-être me référer à ce qui a été dit plus tôt au sujet de la mise en place des réglementations. Je pense qu'il est très important que nous faisions la promotion, mais aussi de réguler les services dans l'espace numérique. Dans la promotion et la réglementation sont indispensables pour définir les directions de développement ou les vecteurs de développement dans le futur. Il me semble que nous sommes tous conscients du fait que le contrôle de quelque chose qui pourrait aller dans une mauvaise direction est importante et bénéfique pour tout le monde. Et c'est ça, à mon avis, l'objectif de la réglementation des services numériques. Réglementation qui est efficace promeut les actions qui vont dans la bonne direction, nous permet de nous développer, de manière plus juste, qui prend en compte les besoins de tous les gens dans le monde. Et nous devons nous assurer que tout le monde a le même accès aux technologies. Parce que pour l'instant, un grand nombre de personnes dans le monde n'ont pas accès. Et leurs besoins ne sont pas assouvis. Pour moi, c'est un argument très important de savoir que la réglementation n'est pas un obstacle pour le développement. Mais nous devons agir ensemble, parce que ce n'est que de cette façon-là que nous pourrons vraiment nous développer en tant que société et former, sculpter un espace qui sera meilleur et plus juste pour tout le monde. Nous ne vous entendons pas, Paul. Ah, pardon. Je disais que j'étais en train de me demander si vous auriez peut-être des réflexions à faire sur le rôle de la normalisation. Question ouverte, hein, que je vous dirige à tous, que je vous pose à tous. Mais personne ne répond. Personne ne semble vouloir répondre. Bien, dans ce cas, je vais reformuler les choses. Plus précisément, nous avons discuté jusqu'ici de la manière dont on pourrait définir la responsabilité sociale des entreprises dans un espace numérique, n'est-ce pas? Nous avons parlé d'autorégulation, d'autoréglementation, d'un modèle plutôt descendant. On a dit qu'il y avait, des types de réglementation, on avait besoin de deux types de réglementation, en fait, d'une autodiscipline, mais aussi de réglementation descendante. Quant à vous, pourriez-vous commenter les deux types? L'autodiscipline, en gros, et la réglementation faite de manière descendante. Je répondrai volontiers à cette question. Pour ce qui est des États membres du Conseil de l'Europe, eh bien, je dirais que ici, ce qui est crucial, c'est la manière dont la technique va affecter directement les droits de l'homme les plus fondamentaux, ou l'état de droit, ou la démocratie. Je vais vous donner un exemple, comme les mécanismes d'intelligence artificielle, par exemple. Je vais me faire plus précis. Lorsqu'un gouvernement, un état donné, un gouvernement, a recours à l'intelligence artificielle, lorsqu'un gouvernement, par exemple, décide de faire utiliser l'intelligence artificielle aux forces de l'ordre, à la police, par exemple, pour identifier des criminels, eh bien, on voit quel est le besoin. Et on voit que les gens ont besoin
ont tendance à dépasser les possibilités légales. Donc là, on a besoin de quelque chose de descendant. Il faut une forme descendante de réglementation. Mais par exemple, dans la musique, on utilise aussi l'intelligence artificielle dans le secteur de la musique. Et là, je ne suis pas sûr qu'on ait besoin de plus de réglementations contraignantes, faites de manière vraiment descendante. C'est peut-être controversé, hein, ce que je dis. Il y a peut-être des compositeurs qui ne seront pas d'accord, mais il me semble que ce sont quand même deux contextes complètement différents. L'intelligence artificielle, comme n'importe quel outil numérique, peut être utilisée par des services spéciaux, par des forces de l'ordre, par des services de police, mais aussi par des artistes ou encore par des entreprises. Donc vraiment, ça dépend des contextes parce que la situation, la sécurité des citoyens ne va pas être mise à mal de la même manière par un dépassement de la réglementation opérée par les forces de l'ordre ou par les renseignements généraux et par des musiciens. Vous voyez. Donc ça peut être... Et je pense aussi que il y a des sujets sur lesquels l'autorégulation ne va pas suffire pour aller vraiment très très vite. Hein. Ça tombe bien parce que nous n'avons plus que quelques minutes. Et je pense que l'occasion est bonne, l'occasion est rêvée pour vous de nous parler un peu plus, de nous parler un peu de ce dont vous allez vous occuper dans un avenir très proche. Quels sont vos plans pour les semaines à venir? Le moment est peut-être venu de partager quelques informations sur votre vie professionnelle dans les jours à venir. Mia, peut-être pour commencer, Mia Baratang. Vous savez, moi, je regarde ces nouvelles technologies qui arrivent, qui se profilent à l'horizon et qui parfois sont utilisées pour la santé. Vous savez, les femmes sont souvent plus souvent usagées que créatrices de technologies. Et là, il me semble que les femmes, les jeunes notamment, sont tellement happées par les nouvelles techniques qu'elles n'envisagent pas toujours les conséquences négatives potentielles dont on ne parle pas, en fait, ouvertement. Donc, ce que nous allons faire, nous, c'est que nous allons suivre les effets secondaires des nouvelles technologies pour ce qui est de la promotion de la santé des femmes, santé émotionnelle comprise, notamment pour ce qui est de la santé émotionnelle des jeunes. Je voudrais m'assurer voir si les droits des femmes sont bien respectés, voir s'il y a assez d'investissement de fait dans la promotion des dix droits. Parce que je pense que les créateurs de nouvelles technologiques, de manière inconsciente probablement, pratiquent de la discrimination. Je suis à peu près persuadé qu'ils ne s'en rendent pas compte. Mais le fait est qu'en créant de nouvelles technologies, souvent on discrimine les jeunes femmes. Et ça, c'est une chose que je voudrais mettre en exergue pour éviter que cela continue. Je ne voudrais pas que l'histoire se répète et que ce soit toujours les mêmes au bout du compte qui soient exclus. Monseigneur Monseigneur Lucio Adrian Luis. Un exemple de grand défi nous est donné par la manière dont... La question de savoir comment on va pouvoir faire des outils, nouvelles technologies, quelque chose d'inclusif. Je pense qu'on a besoin d'éducation avant tout. Le défi, en fait, c'est la responsabilité individuelle. La responsabilité individuelle qui est à la base de toute responsabilité collective, d'ailleurs. En mettant en avant la liberté, il faut voir quels sont les bénéfices que l'on tire de la culture numérique, bénéfices fantastiques, tout en soulignant les valeurs éthiques, les valeurs de l'être humain, la transparence. Il nous faut aussi exiger la transparence pour savoir quels sont nos droits et pour ce qui est de nos responsabilités, de nos devoirs.
Eh bien, je voudrais rappeler ici trois éléments. Le premier étant le suivant. Nous essayons de comprendre, d'avoir une compréhension de plus en plus profonde de ce qu'est en réalité l'inclusivité et l'innovativité. Ce sont des mots d'usage récent, mais le rôle aussi des nouvelles techniques. Nous essayons de comprendre de mieux en mieux tout cela, de manière à pouvoir mieux partager les nouvelles techniques de par le monde. Deuxième élément, les formations en matière d'utilisation des techniques numériques, pour qu'on puisse utiliser, pour que ces nouvelles techniques puissent être mises au service de la dignité de l'être humain. Ces formations sont nécessaires. Et puis, troisième élément, il faut travailler en équipe. Il faut travailler en équipe de manière à ce que la voie du développement numérique soit une voie vertueuse. Merci beaucoup. Noël ? Oui, moi aussi, je voudrais rappeler trois choses. La première étant la suivante. Je veux continuer à investir dans l'innovation, dans les solutions innovantes. Notre département de recherche et développement se penche sur la mise au point de services numériques innovants. Nous travaillons à la détection de fake news, de mensonges, en utilisant l'intelligence artificielle, etc., etc. Nous allons donc investir dans des solutions innovantes et puis nous voudrions nous engager à la création de sources d'informations fiables et donc de sources fiables d'informations avec un département de fact-checking, des formations en fact-checking, en vérification des faits, vérification des informations pour les journalistes. Les usagers en ont besoin, mais même les journalistes en ont besoin. Il y a un problème, il y a une crise de confiance en général envers les journalistes et c'est bien dommage. Donc nous coopérons avec des journalistes de la BBC sur ce sujet et nous voudrions aussi travailler en tant que groupe de pression pour obtenir plus de régulation de manière à améliorer la gestion de l'outil qu'est Internet et de la gestion de l'outil Internet d'une manière générale. Nous allons faire pression à Bruxelles mais aussi au niveau national et au niveau international. Hors de là, l'Union européenne. Voilà, ce seraient les trois éléments principaux sur lesquels nous allons nous concentrer dans un avenir proche, puisque telle était la question. Yann, voudriez-vous terminer ? Oui, avec plaisir. Merci beaucoup. Nous autres, comme je l'ai déjà mentionné précédemment, allons entamer des négociations concernant un nouveau cadre législatif, un nouveau cadre juridique. J'espère qu'un nouveau traité concernant l'intelligence artificielle se fera jour bientôt. Au niveau du Conseil de l'Europe, nous allons mettre en avant l'état de droit, la démocratie et les droits de l'homme. Mais aussi, il y a autre chose que nous avons fait, que nous avons fait, c'est que nous avons lancé tout un projet basé sur des standards juridiques concrets en utilisant l'intelligence artificielle. C'est ça qui est assez nouveau. Je pense notamment aux voitures autonomes. Je pense à des standards juridiques pour ce qui est des nouvelles techniques, de la manière dont les nouvelles technologies vont encadrer ou pouvoir parfois impacter la liberté d'expression. Merci. Affecter la liberté d'expression. Merci. Merci pour cette conclusion. Merci à tous pour votre participation à ce colloque de l'IGF. Merci beaucoup.